Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Essonne en hauteur. Il y a 50 ans, le joli mois de mai voyait moins les fleurs que les pavés volés, non seulement à Paris, mais partout en France. Partie de la contestation étudiante, mai 68 se mue bientôt en crise sociale généralisée, avec une jeunesse dans la rue, 10 millions de grévistes, un service public à l'arrêt et une économie paralysée. Si la mémoire collective retient surtout de cet événement les manifestations populaires, la réaction de l'État face à cette situation de crise se révèle un sujet passionnant. Comment affronter, réagir, mais aussi prévenir durablement un tel trouble à l'ordre public? Tels sont pour lui les enjeux. À l'occasion du cinquantenaire de mai 68, coïncidant avec la date d'ouverture de la plupart des archives des services de l'État, les Archives nationales sous la direction scientifique de Philippe Artière, directeur de recherche au CNRS, et Emmanuelle Giry, conservatrice aux Archives nationales, proposent un ouvrage précisément intitulé « 68, les archives du pouvoir, chronique inédite d'un État face à la crise ». Publié aux éditions de l'Iconoclaste, reflet de la passionnante exposition, ici même au site historique des Archives nationales et également au site de Pierrefitte. Il est maintenant temps pour nous d'aller rejoindre notre invité. Philippe Artière, bonjour et bienvenue sur le plateau de l'Essonne en hauteur, qui une fois de plus a la chance d'être installé dans un lieu exceptionnel, puisque nous sommes dans l'hôtel de Soubise, le site historique des Archives nationales, mais à l'intérieur de ce monument, on est dans un autre lieu exceptionnel, puisque nous sommes dans la galerie du Parlement. Et peut-être, comme vous le savez, notre émission a toujours comme principe de faire réagir notre invité au choix du lieu par rapport au sujet de son livre. Bon, pourquoi, alors que nous allons aborder un livre sur mai 68, on se trouve aux Archives nationales qui, quand on regarde les plans autour de nous, semble un lieu très institutionnel, classique, même par l'architecture, tout ce qu'on n'associerait pas dans un premier temps à mai 68. Alors, on est là aux Archives nationales, d'abord parce que nous y tenons et nous y ouvrons une exposition sur mai-juin 68. Mai-juin 68, vu par le pouvoir, c'est-à-dire que les archives qui sont derrière nous, ce sont les archives qui précède évidemment ces événements de l'année 68. Et je crois que d'être dans cette galerie qui est aussi un dépôt d'archives, mais en même temps un des joyaux de notre patrimoine, c'est aussi à certains égards avoir une perspective un peu différente sur 68 et peut-être faire entrer 68 dans l'histoire. Alors, justement, mai 68 est une date historique puisque nous sommes à 50 ans, un demi-siècle de cet événement. Il y a presque une commémoration par les chiffres qui s'imposent. Très brièvement, est-ce que vous pouvez rappeler d'abord comment commence mai 68 et est-ce que vraiment ça commence en mai 68? Alors, mai 68, les historiens, nous avons l'habitude de, en fait, depuis un certain nombre d'années, de considérer les années 68. Ces années 68, on pourrait les étendre de l'indépendance algérienne, la fin de la guerre d'Algérie, 62 jusqu'à 81. C'est vraiment cette très longue période. Ouais. On peut la restreindre un peu, mais ces années 68, disons 68-74 ou 67-74, sont marquées à l'international par un événement majeur qui fait suite d'ailleurs à l'histoire française, qui est la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam, suite de la guerre d'Indochine, guerre menée donc par les États-Unis contre le Vietnam. Peuple cherchant à se libérer et vécu par l'ensemble de la jeunesse d'alors comme véritablement une forme d'impérialisme, doublement d'impérialisme et de gestes d'autorité à l'égard à la fois de cette jeunesse américaine, contingent américain qui est obligé d'aller faire la guerre très loin de chez lui, dans un pays qu'il ne connaît pas, pour une cause qu'il ne connaît pas,
Et puis, évidemment, impérialisme sur ces peuples du Sud, cette fameuse tricontinentale, hein, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Alors vous voyez, je commençais à évoquer mai 68, dans l'imaginaire le plus commun, on imagine quelque chose restreint au boulevard Saint-Germain en mai 68, et finalement on vient de vous entendre parler avec presque comme des extrémités de la fin de la guerre d'Algérie et de la guerre du Vietnam, donc pas du tout le boulevard Saint-Germain et pas du tout Paris. Ça pose finalement en cru une question. Quelle est la nature même de ce qu'a été mai 68? Est-ce que c'est une révolte? Est-ce que c'est une révolution? Le général de Gaulle et un historien qui a participé à votre ouvrage, je vais quand même le citer, Michel de Certeau, eux parlent d'une prise de parole. Quelle est la nature de mai 68? C'est quoi comme type de conflit? Alors, Michel de Certeau, cet historien très fameux et qui a été un des grands témoins, hein, puisqu'il écrit immédiatement en 1968 la prise de parole, dit effectivement, ils ont pris la parole comme ils avaient pris la Bastille. Alors, il assimile ça à un moment révolutionnaire. Bien sûr, ouais. On pourrait dire que ça l'est sur ce plan-là, parce que effectivement, il y a une confiscation de la parole, du discours, des énoncés par le pouvoir, depuis l'Ancien Régime. C'est-à-dire qu'il y a une... il faut quand même pas oublier que ce n'est qu'en 1945 que les femmes ont le droit de vote, qu'il y a quand même une classe ouvrière et une grande majorité de la population qui a participé très silencieusement à la reconstruction, très soumise à la reconstruction de la France après la guerre. Et qu'on sort à peine. Donc vous voyez mai 68 comme la fin d'un très long continuum historique. Oui, mais très long continuum, mais en même temps, il faut bien voir que dans l'esprit de l'époque, qui est un esprit encore fortement marqué par le 19e siècle, puisqu'on a encore un paysage, y compris urbain, marqué par le 19e, marqué par la révolution industrielle, avec des usines qui sont quasiment dans les villes, avec des villes très grises, avec une très grande porosité aussi entre le monde étudiant, le monde ouvrier et le monde paysan. Ça peut être dans la même famille, un père agriculteur, un frère qui est chez Renault, et une sœur qui, la petite sœur, qui va faire des études à la Sorbonne. Bon, ça existe. D'accord. Donc ça, c'est important. Alors, pour revenir à cette question quand même fondamentale de qualification, est-ce que c'est une révolution? C'est une révolution au sens où, dans l'imaginaire, ce qu'on appelle aujourd'hui l'imaginaire social, hein, l'imaginaire, il y a effectivement l'idée que ça s'inscrit dans un... ça s'inscrit après 48, 1848, après... Surtout 71, la Commune, mm-hmm. La Commune de Paris. Et d'ailleurs, on parlera de la Commune étudiante très vite. Alain Schnapp intitule, avec Vidal Naquet, Chronique de la Commune étudiante, un livre. Et puis, évidemment, derrière, il y a aussi la culture qui est très marxiste de la Révolution russe, mais aussi du Front populaire. Donc là, on voit qu'il y a à la fois la révolution, mais il y a aussi la grève. C'est-à-dire, est-ce que 68, c'est une révolution? C'est d'abord un mouvement social. Et un mouvement social qui articule plusieurs lieux, on y reviendra. Mais c'est ça, peut-être, qui est important. Je dirais plus qu'une révolution, c'est peut-être un soulèvement. Et cette notion de soulèvement, elle est évidemment quelque chose de très présent dans la pensée de Michel Foucault. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui... c'est comme ça que je qualifierais un soulèvement avec différents foyers. D'accord. Ben alors justement, puisque vous parlez de différents foyers, là, on vient de revenir sur l'ancrage un petit peu aussi temporel, mais on ne peut pas dissocier le temps et l'espace. Et là encore, je vais me faire un peu le naïf, souvent dans une perception très simple de mai 68, on voit ça en France à Paris, et à Paris, rive gauche, sur quelques boulevards. Or en fait, ce n'est pas vrai du tout. Non seulement mai 68 n'est pas qu'un phénomène parisien, c'est peut-être même un phénomène plus étendu ailleurs en France, et secondo,
C'est un phénomène, vous avez un peu dit ça tout à l'heure, mais j'aimerais que vous expliciez, international. L'ancrage géographique de mai 68. Alors, effectivement, d'ailleurs les auteurs du livre 68, les archives du pouvoir, le disent beaucoup, et à juste titre, ce qui se passe entre mai et juin 68, y compris d'ailleurs ce qui se passe en amont, dès février, c'est en France un événement national. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la Sorbonne qui est occupée ou qui est en grève, c'est toutes les universités, que le mouvement qui a été absolument décisif, démarrage autour des résidences universitaires et autour de la question des règlements et notamment de la mixité dans les résidences universitaires, c'est quelque chose qu'on voit absolument partout. Donc ça, c'est une première chose. Que les grèves, la grande grève générale de mai, c'est une grève qui commence à Sud Aviation, donc en pays nantais, pas du tout à Paris ou à Caen. Donc ça, c'est très important. Ensuite, le troisième peut-être élément, c'est que on a eu tendance à penser que Paris était le centre. En fait, Paris est assez périphérique. Si on regarde ce qui se passe dans le monde à ce moment-là, on a des événements qui démarrent d'ailleurs, enfin des événements au sud, ce qu'on regardait très peu. On a des événements en Tunisie en 67, on a des événements en Guadeloupe en 67, on a des événements ensuite dans un certain nombre d'autres pays comme Dakar, pour rester dans le sud, ouais. Au Sénégal, avec une volonté des étudiants de se défaire d'une université qui est restée une université majoritairement française, puisque quasiment trois quarts des enseignants sont des enseignants français. Donc une sorte de suite de la colonisation, voilà. Un petit peu. Mais on sait aussi qu'en Italie, il y a un énorme mouvement social à ce moment-là, où étudiants et ouvriers sont très liés, qu'en Allemagne, à Berlin, et c'est d'ailleurs, ce sera une des grandes inquiétudes du pouvoir, c'est de savoir la contagion allemande sur la France. C'est cette idée que, à nouveau, les Allemands vont faire du mal aux Français. Et donc, et que Cohn-Bendit va incarner, puisqu'il est... la figure du 22 mars, évidemment, cette appartenance à l'Allemagne et ce lien à l'Allemagne, il va être très 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 important. D'autant que en Allemagne, à Berlin, il y a un syndicat étudiant, le SDS, et que ce SDS, il est très actif. Qu'il y a des étudiants du SDS qui viennent, ils sont d'ailleurs surveillés, etc. Bon, c'est pas seulement l'Allemagne, c'est l'ensemble du monde. Le Japon aussi. C'est aussi au Japon. Et puis, il faut voir qu'on est dans un contexte qu'on a oublié. Ce contexte, c'est qu'au sud de l'Europe, l'Espagne, c'est l'Espagne de Franco. Donc, c'est une dictature. Le Portugal, Salazar, autre dictature. La Grèce, les colonels, troisième dictature. Donc, avec un rideau de fer. Et de l'autre côté du rideau de fer, il y a aussi des mouvements. On a beaucoup parlé de Prague, mais il y a aussi Varsovie. En Pologne, bien sûr. Bon, donc on voit que c'est quelque chose de bien plus étendu que la France et que c'est sûrement pas le boulevard Saint-Germain, le boulevard Saint-Michel qui suffisent à représenter tout cela. Alors, au début de l'émission, je vous ai réagir au lieu, donc les archives nationales, mais il y a quand même un lien intrinsèque avec le livre, parce que le livre qui est produit ici, c'est aussi un livre d'archives, parce qu'il y a eu une coïncidence entre deux dates, le cinquantenaire de mai 68 et puis du coup, quelle autre date ? En fait, c'est un événement d'archives. Hein. Voilà. C'est un événement d'archives au sens où la loi prévoit que 50 ans après la production des documents, on peut accéder aux archives. Tout citoyen a le droit d'accéder aux traces de l'activité de l'État. Donc là, on a maintenant ouvert l'essentiel des archives de l'État, l'essentiel, la totalité. Pour 68 ? Alors, on peut dire la grande majorité des archives. Il faut savoir que l'ouverture, elle est quotidienne. Hein.
C'est-à-dire qu'elle est quotidienne en ce sens qu'on n'ouvre pas les archives de l'événement 68, on ouvre à la consultation les archives produites le 5 mai, les documents produits le 5 mai, le 6 mai, ce sera... C'est un mouvement perpétuel. Etc. C'est perpétuel. Oui. Pour le livre, on a pu accéder à l'ensemble et donc avoir une vision d'ensemble, ce qui est tout à fait extraordinaire. Donc ça, c'est une chose donc, importante. Et il se trouve que ces 50 ans correspondent effectivement aux 50 ans de 68. Alors, c'est important parce qu'on est dans un moment d'histoire par rapport aux acteurs, qui est vraiment, disons, dans leur parcours de vie, un moment singulier, puisque la plupart des acteurs, enfin la majorité des acteurs de l'époque, ceux qui sont au pouvoir en 68, en dehors de M. Balladur et de M. Chirac, sont morts. Tous morts, bien sûr. Mais les jeunes gens et les jeunes femmes sont vivantes, mais sont retraitées. C'est-à-dire dans un moment aussi, finalement, de la rétrospection. À la place de ceux qui contestaient. Voilà. Et les ouvriers qui étaient en grève, il y en a beaucoup qui sont morts, et puis les plus jeunes sont encore vivants. Mais encore une fois, ils ne sont plus en activité. Donc, ils ont un regard vers le passé, vers leur passé, vers leur vie, comme souvent. Et ce regard, je dirais qu'il est, aussi un regard peut-être, non pas nostalgique, mais qui cherche à se souvenir. Ce qui est un moment de vie, voilà, qui est un moment de vie particulier, évidemment. Alors, donc, vous disiez que c'était un livre d'archives, mais il faut aussi préciser tout de suite quelque chose. Bon, ce livre se conçoit comme un dialogue, c'est-à-dire que dans ces archives, on a un peu les deux côtés, parce que mai 68, c'est quand même l'affrontement de l'État et d'un mouvement populaire. Et du coup, il y a des archives des deux côtés. Du côté populaire, disons, on connaît quand même un certain nombre d'archives, tout le monde a en tête des dessins, des slogans, qu'on retrouve d'ailleurs largement dans le livre. Mais votre livre adopte finalement un angle étrangement inédit, à savoir qu'il se place surtout du point de vue des archives du pouvoir. Est-ce que ça, vous pouvez le dire? C'est-à-dire expliquer quelles archives produit le pouvoir à propos de 68? Bon, ce livre, qui est un livre que nous avons co-dirigé avec Emmanuelle Giry, qui est conservatrice ici aux Archives nationales, il travaille à partir des archives qui sont ici. Et ce que sont les Archives nationales, c'est la mémoire de la nation. Mais c'est la mémoire de l'activité de l'ensemble des pouvoirs et des administrations centrales, puisque... Nous avons cette structuration des archives avec des archives nationales qui conservent les archives des ministères et puis des archives départementales qui conservent les archives des préfectures et de tout ce qui se passe en région. Donc ça c'est un point important, c'est-à-dire que nous avons conçu ce livre à partir des archives centrales. Donc des deux gouvernements, Pompidou et Couve-de-Murville. Et ces deux, donc l'un pour mai et l'autre, disons... Au-delà. Au-delà. Mai-juin, Pompidou, puisque Pompidou veut... Pour la deuxième fois donner sa démission, voilà. Et cette fois-ci, je crois que le général l'accepte, voire le pose du coude. Voilà, ouais. Et donc nous avons travaillé à partir de ces archives. Alors, il y a un point important, c'est qu'on a travaillé aussi... à partir des archives de l'armée, mais ces archives de l'armée, elles ne sont pas conservées ici. Donc on en a des traces dans d'autres ministères, mais on n'a pas spécifiquement travaillé sur les archives de la défense. Oui. De même, les archives du ministère des Affaires étrangères ne sont pas aux archives nationales, ni les archives des finances. D'accord. C'est des spécificités françaises, et ces trois, et on comprend pourquoi, ces trois ministères conservent leurs archives par devers eux. Alors, c'est un premier point. Ensuite, il faut bien imaginer que ces archives qui sont conservées et avec lesquelles on a travaillé sont les archives à la fois des ministres, mais aussi et surtout de leur cabinet. Donc ça... Les conseillers. Tous les conseillers, un cabinet, c'est vraiment c'est ceux qui font et ceux qui sont derrière le ministre et qui envisagent
se posent des questions, rédigent des notes, enfin font tout ce travail absolument extraordinaire qui fait qu'un État fonctionne. Et puis, évidemment, et c'est l'autre aspect, l'autre côté de la barricade, là on est du côté du pouvoir, hein, et puis évidemment, ce pouvoir, il a tendance, enfin, c'est pas qu'il a tendance, c'est historiquement, il collecte. Ce lieu est un lieu de pouvoir, ici. Bien sûr. Et cette collecte, elle, c'est aussi une collecte qui s'effectue de manière autoritaire. Et en mai-juin 68, en l'occurrence à partir du 12 juin, c'est-à-dire du décret d'interdiction d'un certain nombre d'organisations d'extrême-gauche, il va y avoir une collecte très très forte, enfin des perquisitions, dans de nombreux lieux, et donc une collecte énorme d'archives de la contestation. Alors, on va y revenir parce que finalement, ça fait partie d'un des grands réflexes de l'État et on va analyser les réflexes de l'État. Mais toujours pour en revenir à cet archivage de l'État, moi, je vais poser une question un petit peu, je ne sais pas si elle est insidieuse, mais voilà. L'État n'est pas naïf. Bon, il sait les archives qu'il laisse au moment où ça se passe. Est-ce que vous pensez qu'il y a pu avoir en amont un caviardage de ces archives? Parce qu'une chose qui ressort de votre livre et qui est très intéressante des deux côtés, puisqu'on évoquait les deux côtés, immédiatement, l'État comme les contestataires ont eu un sens de la patrimonialisation de ces archives. Tout le monde a eu tout de suite conscience de vivre un grand moment. Ce n'est pas toujours vrai dans toutes les révolutions. Parfois, il faut un certain temps pour comprendre même l'événement. Là, tout de suite, tout le monde a voulu un peu collecter, garder, vous expliquer pourquoi l'État collectait, bon, par exemple. Mais du côté des contestataires, ils collectent aussi. Est-ce que, justement, en ayant conscience de cette patrimonialisation, il n'y a pas eu tout de suite aussi... Ah oui, il y a un sentiment de filtrage et de caviardage de l'État de ne pas laisser n'importe quoi là-dedans. Je crois que d'abord, tout homme politique c'est a ce une qu'il conscience, fait, c'est pas un naïf. Non, une conscience de sa postérité. Mm-hmm. Bon, et le général de Gaulle, c'est quand même le général de Gaulle, c'est le général du 18 juin 1940. Mm-hmm, mm-hmm. C'est le général de 1958. C'est donc c'est quand même le fondateur de la Ve République. C'est quelqu'un qui a un rapport à l'histoire extrêmement fort. Évidemment que le général, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il écrit. Et c'est ça qui est important peut-être. Nous avons travaillé majoritairement sur des archives qui sont des archives écrites, des archives papier. Or, on est à un moment où par ailleurs, évidemment, il y a beaucoup d'échanges de l'ordre d'échanges oraux, et puis qui se font soit en face à face, soit évidemment au téléphone. Donc ça c'est important. Et il n'en reste rien. Et il n'en reste rien. Et c'est les grands blancs des archives. Donc les archives, c'est des traces. Des traces laissées, laissées volontairement ou involontairement. Voilà, c'est ça ma question. Alors, bon, d'une manière générale, on ne peut pas dire qu'il y a eu une censure. Voilà, vous n'avez pas ce sentiment. Non. En consultant les archives, vous n'avez pas l'impression qu'en amont, on a squeezé, si vous me pardonnez ce mot, tout ce qui pourrait être un petit peu embarrassant dans l'image que ça donnerait du pouvoir. Non, je crois qu'il y a simplement quelques manques dont on peut se poser, sur lesquels on peut se poser des questions. Par exemple, il n'y a pas d'archives d'André Malraux. André Malraux est une figure très importante, hein, intellectuellement, très immense écrivain, et puis ministre de la Culture, un ministre qui sera un des agents, un des grands acteurs de la patrimonialisation en France. Hein. La loi Malraux, c'est la loi quand même qui permet et qui offre des possibilités de patrimonialiser et qui l'oblige. Bon, mais Malraux, on ne voit pas apparaître comme ministre de la Culture alors qu'il est pourtant un ministre qui agit, qui lui licencie des gens, mais dehors des gens. Le directeur de la Cinémathèque, dès février, en Avignon, Jean-Louis Barrault. Très actif. Ouais. Donc, il est actif et il est aussi très actif au sein du mouvement gaulliste. Et c'est un des acteurs, et on retrouve là sa trace, des comités de défense de la République, des CDR. Bon, alors, c'est pas pour rien qu'on le voit en tête de la fameuse manifestation, je crois, du 30 mai. Sur les Champs-Élysées. Exactement, sur les Champs-Élysées. Alors,
Une chose justement qui est très intéressante, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est que le plan du livre, ce n'est pas vraiment vous qui le choisissez, il est un petit peu dicté par les grands réflexes de l'État que vous avez retracés, comme une boîte noire. Est-ce que vous pouvez rapidement nous dire un petit peu, voilà, un État est surpris, enfin, ça aussi c'est pareil, il faudrait en dire un mot. L'État est paradoxalement surpris parce qu'il y a très rapidement des signes, qu'il y a des contestations, surtout à l'université. Ces signes, ils sont bien par des archives, c'est-à-dire des notes. Bon, tout le monde connaît par exemple l'interpellation de Cohn-Bendit lors de l'inauguration d'une piscine. Alors, je crois que c'est en février, j'ai plus tellement la date en tête, février-mars 68, où le ministre des Sports et de la Jeunesse, Missoff, tout le monde se souvient de lui, vient inaugurer la piscine de Nanterre et je crois qu'il l'interpelle en lui disant est-ce qu'il a l'intention de faire quelque chose pour la sexualité des jeunes? Ce à quoi Missoff sait bien lui répondre, je crois qu'il lui dit que s'il a des problèmes sexuels, il peut toujours plonger dans la piscine. Mais en dépit de ces signes, l'État ne pronostique quand même pas le mouvement qui va avoir lieu. Il les enregistre, mais il ne pronostique pas le mouvement. Puis tout d'un coup, le mouvement arrive. Alors à partir de là, quelles sont finalement les grandes attitudes, puis les réflexes, parce qu'il y a un moment de sidération au début, mais quelles sont les attitudes et les réflexes de l'État pour prendre conscience, traiter et traiter durablement, finalement. Alors, c'est ce qu'on a, oui, le livre, effectivement, suit un certain nombre de gestes qu'on a voulu une boîte noire des idées, c'est vraiment passionnant. Alors, il y a aussi une vocation pédagogique très forte, qui est notre volonté. L'ensemble des historiens et des archivistes qui ont participé à ce livre, c'était de montrer comment fonctionne un État. Et en l'occurrence, mai-juin 68 est tout à fait exemplaire. Un cas d'école sans mauvais jeu de mots. Oui, c'est vraiment un cas d'école parce qu'on va voir, enfin un cas d'école sous notre 5e République, qui est encore récente, notre Constitution. Non, mais qui a 10 ans. 10 ans, ça suffit, c'est un des slogans. Tout à fait. Mais en 2018, on est encore sur le 5e. Certains voudraient 50 ans, est-ce que ça suffit? C'est une autre question. Mais ce qui nous a frappé, quand on a dépouillé, puisqu'on a dépouillé plusieurs dizaines, voire centaines de mètres linéaires. Oui, donc c'est monumental. C'est monumental, et puis c'est réparti dans tous les ministères. Il n'y a pas un rayonnage 68. Il n'y a pas un magasin 68. Non, c'est évidemment un événement total. C'est comment un État fait face à un événement total comme ça, qui n'est pas un événement comme une guerre. Ça, il sait faire. Ça, il sait faire, il sait à peu près. Et voilà. Ensuite, il y a cette problématique très différente. Là, c'est qu'il est obligé de réagir au jour le jour, d'inventer des choses au jour le jour, en puisant quand même dans son savoir-faire. Et il ne faut pas penser qu'en 68, tout s'invente. En fait, la police a vécu des événements beaucoup plus graves que ce qui se passe en 68, à savoir la guerre d'Algérie. Il faut quand même imaginer que l'expérience de Charonne, enfin l'expérience, le massacre de Charonne par Maurice Papon, le préfet de police, c'est quand même très... C'est dans les têtes de tout le monde. Donc Maurice Grimaud le sait, qui est préfet de police, lui, il le sait à Paris. Que par ailleurs, il y a une culture étatique et que, on parlait des cabinets et des conseillers, que toutes ces personnes sont formées remarquablement. Aujourd'hui, on dit, un problème dans tel cabinet, il y a une faiblesse du cabinet, d'un tel ministre, etc. Il se trouve que le président de la République, de Gaulle, est quand même flanqué toujours de son... Focard, l'homme France-Afrique, tout à fait. Mais Focard va personnage. Jouer un rôle tout à fait important en 68 dans un certain nombre de décisions. Et puis, il n'y a pas seulement Focard, il a donc des conseillers. Et puis, d'un autre, évidemment, dans chaque ministère, il y a Pompidou avec tous ces... Donc, il y a une machine d'État en ordre de marche. Et cette machine d'État, elle fonctionne comment? Elle fonctionne d'abord par un système de remontée de l'information. Mais encore une fois, il faut s'informer. Mais encore une fois, l'État moderne s'informe.
Donc il y a des rouages. Donc on s'informe sur le terrain, il y a des fiches, par exemple sur les conflits sociaux, on le voit très bien dans le livre. Ces fiches, elles n'ont pas été inventées pour 68, elles existaient déjà. C'est oui, les préfectures ce que je disais qui tout le reçoivent. À l'heure, par rapport à Cohn-Bendit, c'est déjà l'objet d'une fiche. Alors, à côté de s'informer, qu'est-ce qu'il y a encore comme autre réflexe? Alors, ensuite, il y a évidemment faire des synthèses. Et ça, c'est quelque chose qu'on a demandé à des historiens qui avaient pu d'ailleurs côtoyer de très près le pouvoir, qui avaient été justement dans des cabinets, et qui lisent et qui nous montrent les différentes formes de notes. Des notes techniques et des notes politiques, qui ne sont pas du tout la même chose. Une chose qui est drôle dans le livre, je fais cette parenthèse, mais c'est qu'on découvrira qu'il y a encore beaucoup de documents manuscrits. Ça donne d'ailleurs un côté assez émouvant. On voit les écritures des uns et des autres. Bon, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui les notes se rédigent encore beaucoup à la main, mais là, il y a un nombre de documents manuscrits très important. Aujourd'hui, j'imagine que le traitement de texte, les mails, tout ça ont dû remplacer. Il y a cette dimension un petit peu, pas datée, mais quand même si, d'époque, quoi, de ces archives, où on voit que c'est fait à la main. Voilà. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. On est à certains égards dans une forme d'ancien régime aussi. C'est-à-dire qu'il y a des notes, on fait passer des notes, quelques mots du général de Gaulle, d'ailleurs qui sont dans le livre, on voit très bien ces petites notes. Il y a cinq mots, mais on comprend. Hein, il y a quelque chose de très performatif, comme on dit. Et puis ensuite, il y a d'autres formes d'écrits, qui sont des écrits. Qui sont aussi reproduits dans le livre parce que nous souhaitions vraiment montrer cette bureaucratie contre laquelle la contestation va beaucoup, s'insurger. Hein, non à la bureaucratie, il y a des affiches, il y a tout un ensemble de cette idée que, en fait, l'État, c'est une sorte un ennemi. C'est un ennemi, mais c'est un ennemi de papier aussi. Ça ne produit que du papier, etc. Donc il y a cette dimension-là. La répression, quand même, aussi. Bien sûr. C'est-à-dire que ce qu'on a essayé aussi de montrer, c'est que l'information, elle se fait non pas comme on pouvait le fantasmer ou comme les contestataires l'ont fantasmé très longtemps, c'est-à-dire avec des mesures policières de type Stasi, hein, filature, écoute téléphonique. Non, en fait, c'est du recoupement d'informations, mais c'est une production forte, mais un peu plus intense en 68. Il y a beaucoup de par les renseignements généraux. Mais encore une fois, que ces renseignements généraux, ils existent depuis longtemps. Ce n'est pas une invention. Donc, c'est-à-dire que c'est pour ça que c'est un cas d'école. C'est-à-dire que là, on a la possibilité de voir sur 2 mois l'ensemble de ce qui est produit. Et ces notes, elles remontent chaque fois, ces notes qui peuvent être des notes sur la vente d'affiches contestataires dans une galerie du quartier latin, mais qui peuvent être aussi des documents beaucoup plus importants sur l'état des grèves de manière, enfin ça c'est très régulier, de manière hebdomadaire, hein, vraiment un état des lieux des grèves, donc aux grévistes près. Bon, ça c'est toujours l'information. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est après l'information, elle n'est pas à but cognitif, elle est à but de répression. Comment s'organise la répression techniquement? Parce qu'avoir une information et pas l'exploiter, alors, on a des exemples. Le tsar, oui. Par exemple, en Russie, puisqu'on peut citer, recevait des notes magnifiques de l'Okhrana. Et des historiens sur la révolution russe vous expliqueront qu'il n'a rien fait. Donc, ce n'est pas le cas de mai 68. Non seulement on reçoit des notes extrêmement précises, mais on réprime par derrière, on n'en fait pas rien. Alors, la répression... c'est pas le geste premier. Y a un moment, d'abord, d'attente très fort. C'est-à-dire que les ordres dans les manifestations, on voit bien, et c'est pour ça qu'il y a eu des nuits des barricades. Hein. Comment ça s'explique ce temps de latence entre ce temps de latence, bah, parce qu'il y a quand même une histoire de la police, il y a une histoire de la répression, et que il y a une sidération, mais il y a aussi une grande inquiétude, parce que j'ai parlé des morts de Charonne. Les morts de Charonne, c'est quelque chose qui... Et les morts des manifestations d'octobre 61 sont des Algériens. Ça hante considérablement quand même
l'imaginaire social, et puis par ailleurs, il faut jamais l'oublier, le pouvoir, réprime quand c'est l'ultime solution. D'accord. Et ce qu'on voit dans ces archives, c'est que ce temps, d'abord, il y a un temps qui est pour le coup très sidérant, c'est-à-dire qu'on a quand même un président de la République qui va en Roumanie, en voyage. Il continue, tout à fait. Continue, et que, d'ailleurs il va continuer à recevoir toutes sortes de personnalités. Les cérémonies ne sont pas perturbées, voilà. Vous le montrez bien. Il y a éventuellement une ou deux réceptions, par exemple au moment de la fête des maires. Bon, les maires ne seront pas reçus à l'Élysée cette année-là. On va signer les accords de Paris sur la guerre du Vietnam, en juin. Pompidou part quand même, le Premier ministre. Vous imaginez Édouard Philippe partir pendant 15 jours... Il est allé en Afghanistan, Afghanistan. Bon, ouais. Imaginez Édouard Philippe partir en Écosse, je crois, hier. Mais enfin bon, il n'y a pas mes 68 ici. Oui, et pas pendant 15 jours. C'est ça, voilà. Mais ça veut dire aussi que derrière, il y a des gens qui travaillent. D'accord. C'est aussi ça. Donc... et ils imaginent des possibilités. Et une des possibilités qui n'est jamais imaginée, en tout cas par les conseillers, c'est celle pour le général de Gaulle d'utiliser l'article 16 de les la Constitution, les pleins pouvoirs. Donc oui. Ça, c'est très, quand même très important. D'accord. De dire ça. Alors la répression, parce qu'il faut quand même, on ne peut pas non plus passer... Dire qu'il n'y en a pas eu du tout. Il y a eu un premier moment qui est le moment Fouché, jusqu'à la fin mai. Ministre de l'Intérieur. C'est un moment qui est marqué par aucun mort. Et puis arrive Marcellin. Fouché est un petit peu débarqué, quoi. Oui. On prête ce mot à De Gaulle. Quand Marcellin arrive, il aurait dit « Voici le vrai Fouché ». Donc c'était... pas si drôle que ça. Et de fait, Marcellin, le 12 juin, est un des acteurs du décret d'interdiction. Ce 12 juin, d'interdiction des organisations d'extrême-gauche, il est précédé d'événements absolument tragiques. Ils sont la mort d'un lycéen militant des JCR, Gilles Totin, près des usines Renault à Flins, qui se noie. Et il s'est noyé en se jetant. Il se noie, poursuivi par les forces de l'ordre. Et puis, la mort par balle d'un ouvrier à Sochaux et d'un autre ouvrier des suites d'une grenade. Et puis, un commissaire de police, le commissaire Lacroix à Lyon, ouais. Sur un pont. D'ailleurs, il n'est pas en service, il est là et il se fait écraser par un camion. D'accord. Sauf que là, il y a un vrai moment, disons, tragique, au sens où effectivement, la mort s'invite. Il faut se souvenir, pour toute une génération, par exemple 1986, les lois de Vaquet. On se souvient de Malik Oussekine. Gilles Totin, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce mort va incarner la répression policière. Mais il y a une répression policière bien avant qui met le feu aux poudres au quartier latin et qui permet une certaine unification. C'est tout au début de... la première semaine de mai. Une répression policière violente. La police charge les étudiants. Bon, et donc, ça choque. Il y a quand même de la répression. Et ce que vous disiez qui était intéressant, c'est que là encore, on a démenti beaucoup de clichés depuis le début de l'émission. On dit toujours, mai 68 n'a pas fait de mort, c'est pas tout à fait juste. En fait, il y en a eu 7, on en a oublié peut-être un qui était un colleur d'affiche. Voilà, on les a tous cités, sauf le colleur d'affiche. Donc non, mai 68 n'a pas fait de mort. Et l'État, mais c'est un peu naturel aussi, a réprimé, on peut quand même reconnaître, et vous le disiez un peu, a réprimé à minima et vraiment en dernière instance. Parce que comme vous dites, il est hanté par d'autres épisodes un peu plus tôt dans la Ve République, qui voudrait ne pas renouveler, ce serait quand même mieux. Oui, et je dirais, il est hanté par cette histoire-là, mais il est hanté aussi par un événement
a tendance, disons, à parler beaucoup des étudiants, mais il y a surtout une grève générale. Et le problème majeur de l'État à ce moment-là, parmi les gestes, il y a celui-là, il y a négocier. Parce qu'il y a une paralysie sociale, 10 oui. millions de grévistes, je crois, donc c'est quand même pas rien. Oui, il y a entre 8 et 10 millions de grévistes, mais de grévistes dans le secteur privé et dans le secteur public. Il n'y a plus de postes, il n'y a plus d'essence, les ordures ne sont pas ramassées, enfin, c'est un peu gênant. C'est quand même un pays à l'arrêt. Et ce pays à l'arrêt, et c'est ça, et c'est une économie aussi à l'arrêt, qui est... Et c'est une France, on dit des 30 glorieuses, mais enfin c'est une France qui a besoin de produire, qui n'est pas sûre d'elle-même. Hein. Donc ça c'est très important, ça veut dire donc qu'il y a réprimé, mais il y a aussi négocié, et négocié dans une situation bien particulière, celle de ne pas avoir les syndicats comme interlocuteurs. Parce que le mouvement de mai se caractérise par une prise de distance du mouvement des grévistes, dans les usines, par rapport aux syndicats majoritaires à l'époque, la CGT. C'est peut-être donc, cette absence d'union qui explique aussi que l'État a eu plus de facilité à régler les choses, parce qu'il y avait une union très forte entre ces deux parties, ça aurait été quand même plus difficile, on va pas faire de l'histoire fiction, mais ça aurait été plus difficile à régler. C'est quand même à cause de cette désunion que l'État s'en sort aussi assez bien finalement. Oui, l'État s'en sort bien dans les protocoles d'accord de Grenelle et d'Oudinot. Hein. Grenelle, c'est le... Mais même pour arriver tout simplement à mettre fin au conflit. Oui, mais parce que c'est un pacte fort. Et d'ailleurs, les documents qu'on montre dans le livre, qu'on reproduit dans le livre, sont tout à fait, je dirais, exemplaires de ça. Il n'y a pas de signature. C'est-à-dire, il n'y a pas de signature des syndicats, il n'y a pas de signature du gouvernement sur ces protocoles. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que pour la CGT, c'est le moyen de revenir, en fait, dans le jeu politique. Et pour le gouvernement... de s'associer avec les syndicats qui sont traditionnellement ceux avec qui on négocie. Et donc ils vont sortir de Grenelle avec cet ensemble, de propositions qui vont être acceptées plus ou moins facilement par l'ensemble des grévistes. Ça va prendre du temps. C'est pour ça que mai 68 n'existe pas. C'est mai-juin. Hein, toute la grève à l'ORTF, tout ça, c'est en juin. Finalement, les choses s'arrêtent, je dirais, tout début juillet, s'arrêtent, avec l'été. Quoi. Alors, le dernier grand réflexe, donc on l'a en fait réduit à 3, mais avec des sous-réflexes, c'est-à-dire que l'État d'abord doit prendre la mesure de la chose, s'informer, ensuite réagir, voire réprimer. Et puis, une fois que c'est terminé, alors là, on donnait le terme historique pur, fin juin, début juillet, mais c'est quand même pas encore terminé, parce que, évidemment, l'État, il veut traiter durablement la chose, il a sûrement peur que ça revienne. Et donc, il lui faut maintenant réformer pour éviter sur du long terme qu'un tel mouvement se reproduise. Quel est le réflexe maintenant de l'État, une fois que la crise vraiment matérielle est terminée? Alors, le premier réflexe de l'État, du pouvoir, c'est d'abord de reconstituer ses troupes. Et cette reconstitution des troupes, elle se fait par la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc, on rebat les cartes avec un risque fort. Sur les conseils de Pompidou, parce que De Gaulle ne voulait pas dissoudre l'Assemblée, et d'ailleurs, sur le manuscrit qui est reproduit dans le livre, on le voit très bien, dans son discours, il écrit « Je ne dissoudrai pas aujourd'hui l'Assemblée nationale », il barre « Je dissous l'Assemblée nationale ». Il a changé d'avis. Il a changé. Donc ça, c'est important. Ça veut dire qu'il fait une campagne aidée par les comités de défense de la République, par tout un ensemble de personnalités extrêmement courtes, qui va prendre à revers... De manière très militaire, il prend à revers François Mitterrand qui avait déposé une motion de censure, il prend à revers Mendès France, enfin il prend à revers... C'est Auguste, il prend à revers aussi le Parti communiste, enfin il prend tout le monde à revers et gagne, comme personne n'a gagné les législatives, enfin les partis gaullistes gagnent de manière massive les élections législatives. Et c'est là qu'on peut réformer.
C'est-à-dire quand on a une assemblée forte, hein, c'est aussi qui redonne une légitimité. Voilà, une légitimité de la nation, puisque les assemblées représentent la nation. Donc, ces assemblées, eh bien là, alors soit par décret, donc non soumis aux assemblées, mais aussi par loi, et dès l'automne, la fameuse loi Faure sur les universités et sur l'éducation. Donc ça, c'est très important, parce que c'est très rapide, avec la création notamment de deux centres expérimentaux, hein, celui de Vincennes et celui de Dauphine. Ça, c'est très concret. Après, on a parlé aussi des protocoles d'accord. On a oublié de dire quand même qu'il y a une chose qui est tout à fait extraordinaire en mai, enfin, au moment des protocoles, c'est-à-dire que l'État cède sur des revendications, et notamment augmente le salaire minimum de 30%. C'est le fameux mot de Pompidou, on ne mégotera pas. Voilà, on ne mégotera pas, mais dès le 1er juin, et on le montre ici aux archives, on voit aussi que De Gaulle dit en Conseil des ministres, il ne faut pas qu'il y ait d'inflation, parce que l'inflation, ça sera véritablement la catastrophe. Parce qu'évidemment, s'il y a une inflation, ces 30% se réduisent à une peau de chagrin. Et c'est ce qui va se passer malgré tout. Dans les 3-4 années, Michel Jobert avait dit ça. Dans les mémoires que vous citez d'ailleurs, il dit ça, effectivement, que dans les 3-4 ans, l'inflation a tout bouffé ce que les gens croyaient avoir gagné. Est-ce qu'on peut dire, alors finalement, que mai 68 consacre le triomphe de l'État ? On peut pas dire que c'est le triomphe de l'État. On peut dire simplement que peut-être que 68 est un moment de grand questionnement général, et que l'État montre peut-être une dimension qu'on oublie souvent. C'est qu'on dit souvent le pouvoir, et Foucault d'ailleurs est vraiment sur cette pensée du pouvoir. Il dit: il faut arrêter de penser que le pouvoir seulement réprime, interdit, etc. Mais il produit des formes, il produit des objets, il produit. Et de ce point de vue-là, la cinquième est très malléable. Et on voit comment elle arrive à s'en sortir. Elle retombe sur ses pattes, très bien. Après cette crise majeure, encore une fois, c'est une crise majeure, c'est la plus grande grève générale en France au XXe siècle. Donc c'est pas rien. Elle retombe, l'État retombe sur ses pieds, très modifié quand même, très modifié parce que c'est la fin du général de Gaulle. Oui, en même temps, imaginez, vous faites un éloge du général de Gaulle. Là, quand je vous écoute, finalement, c'est un éloge implicite du général de Gaulle que vous êtes en train de... C'est plutôt, oui, enfin, sauf que c'est Pompidou qui lui dit de bien dissoudre, que le général de Gaulle ne comprend pas très bien ce qui se passe, mais que ce sont ses conseillers, notamment un certain Ducamin, qui est très actif. Que le général est un homme du 19e siècle. Tout ça, c'est vrai. Général à 79 ans. Mais là, vous parlez au ras des événements, mais quand vous étiez en train de parler de la plasticité des institutions, enfin, si je ne me trompe pas, c'est surtout le général de Gaulle plus que Pompidou. Donc finalement, oui, il n'a pas bien compris les événements, mais il avait en amont préparé une structure étatique, hein, parce que c'est quand même pas la même chose, la 5e République et la 4e, qui finalement s'avère... je ne sais pas si elle résiste à tout choc, mais enfin, elle a résisté à celui-là. Oui, c'est disons une constitution qui résiste, et encore une fois, qui n'a pas été poussée à bout. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans cette la manière dont l'État gère et vraiment, à certains égards, neutralise ce soulèvement, c'est comment quelqu'un comme De Gaulle a un sens de l'histoire. Parce que on est, encore une fois, à 6 ans de l'indépendance algérienne. Il faut imaginer qu'on est à 50 ans de 1917, la révolution russe. On n'est quand même qu'à 30 ans de 1936, du Front populaire. Hein, on est à 32 ans. C'est rien, 32 ans. Comme temps historique, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Quand je dis 6 ans de l'indépendance algérienne, le 18 juin
18 juin, non pas 1940, mais 1968, décret d'amnistie de Salan et des membres de l'OAS. Le Carteron. Donc, quand même, de terroristes, hein, c'est des terroristes, qui sont libérés pour réunifier cette droite française avant les élections. C'est pas rien. Soyons amis, Salan, je vous dis, c'est auguste. Oui. Hein, là, quand je vous écoute, on dirait vraiment tous les réflexes. Donc il y a quand même une vraie intelligence politique de De Gaulle et de son équipe. Je dirais de Gaulle et Foucault. Et puis aussi de gens comme Édouard Balladur. Qui sont pour le moment, à ce moment-là, des conseillers de l'ombre, pas encore la notoriété qu'ils ont après pour nous. Alors, vous avez finalement évoqué un personnage. Votre livre ne se veut pas un livre sur des personnages. Se disant, il y a quand même des acteurs importants et quelques portraits qui sont tracés. On vient de faire De Gaulle, vous l'avez très bien restitué. De Gaulle-Pompidou, est-ce que ce tandem a résisté, lui, au choc de mai 68 parce que c'était l'enfant chéri et je crois que là, ça devient l'enfant abandonné un petit peu. Pompidou dans mai 68, lui, maintenant. Rendons-lui justice aussi. Alors. Pompidou, c'est quand même lui qui ira à l'Assemblée. Fait tout le travail technique. Il est derrière. Il est à la manœuvre. Il va proposer sa démission, refuser. Donc, il va quand même subir ce mois de juin plus. Hein, donc, c'est pas rien. Il deviendra président de la République. Juste après, hein, en 69. Pompidou, il a le mauvais rôle. Tout Premier ministre a le rôle ingrat. L'enfer de Matignon. Oui, surtout avec la Ve République. Ouais. Donc ça, c'est une chose importante. Ce qui est peut-être, on l'a déjà évoqué, ces figures, hein, Marcellin, Fouché, puis Marcellin, les ministres de l'Intérieur, hein, qui sont toujours quand même le bras armé de l'État. Pompidou, à un moment donné, se demande si l'armée ne doit pas rentrer dans le jeu. Hein, et il fait, il fait déplacer des chars. On a dit que les chars étaient à Vincennes. Non, ils sont passés de Satory à Villacoublay. Enfin, ils sont restés, à distance. Il y a quand même ça qui reste. C'est vrai que ce qui nous a intéressé, je crois, et ce que les historiens montrent bien quand ils lisent les archives, hein, puisque le livre est composé de lectures d'archives faites par des historiens, une vingtaine, qui chaque fois essayent de montrer l'intérêt de tel et tel document, ce qui montre, le fait qu'il y a effectivement des grandes personnalités historiques. On l'a évoqué. Bon, on reprochera ensuite à Pompidou de ne pas avoir été résistant quand il sera président. Et d'ailleurs, ce sera un grand reproche qui sera fait par d'autres résistants qui sont, eux, du côté du gauchisme. Alors, il conquiert ses galons à ce moment-là, c'est cela. C'est-à-dire, ça lui crée, à défaut d'avoir été un résistant, une sorte de légitimité dans l'action, quelque chose comme légitimité ça. Légitimité probablement du côté du gaullisme. Oui. Des particulistes qui savent bien que l'ère du général de Gaulle touche à sa fin. Ouais. Les affiches de l'Atelier populaire l'ont largement montré et dénoncé. Hein. Il en prend pour son grade. Il y a ces figures-là. Alors il y a aussi des figures qui ont été très médiatisées comme le préfet Grimaud. Le préfet Grimaud, on ne va pas être seulement sur des questions d'âge, hein, mais le préfet Grimaud, lui, le soir, quand il rentre chez lui, il a ses gamins qui sont ses étudiants. Donc il entend un son de Non, pareil, il, entend, bien il sûr. Entend la rue. Bien sûr. Ce qui n'est pas tout à fait le cas de Gaulle, qui est quand même déjà plus qu'un grand-père. Quoi. Ni Pompidou. Donc c'est important. Tout petit détail, mais c'est important d'avoir aussi une relation au monde social.
Voilà. Et du côté de la contestation, il y a évidemment Gesma, Sauvageot, Krivine. Oui, alors les trois figures étudiantes, hein, c'est quand même Sauvageot, qui est mort tout récemment, Cohn-Bendit, qui est pétulant, dont on a déjà parlé, qui est en pleine forme, et cet étudiant qui va aussi, jouer beaucoup du verbe, hein, et être la voix, une des voix assez... Et un visage assez, aussi. Et un visage face à celui du CRS. Et puis on a un homme un peu plus âgé. On oublie qu'Alain Gesma, à l'époque... C'est un enseignant. À 30 ans. Il est déjà enseignant. Il est au CNRS. Oui. Et il est au CNRS et c'est un syndicaliste. Et lui, il a vécu la guerre d'Algérie. Il a été étudiant et il était à l'UNEF, c'est-à-dire... l'union des étudiants de France il a toute une infusion lui oui, déjà. C'est-à-dire qu'il a vécu ce moment de basculement très important pendant la guerre d'Algérie où l'UNEF d'un syndicat étudiant devient une force politique. C'est-à-dire qu'elle manifeste contre la guerre. D'accord. Donc ça c'est important, on a cette alliance là. Et puis on a une autre figure on oublie très souvent, qui est une figure qui n'a pas de visage, qui est la masse, qui sont ces 8 à 10 millions de travailleurs, qui sont des femmes, pour une partie, et des hommes immigrés. Pourquoi vous insistez sur qui sont des femmes? Parce que c'est une des premières occasions dans l'histoire, selon vous, où les femmes font quelque chose de particulier dans un soulèvement? Non, non, mais si vous regardez bien l'imagerie de 68, vous voyez oui, peu de femmes. C'est vrai. Alors que ça ne reflète pas la réalité. Alors que les femmes étaient dans les cortèges. D'accord. Donc c'est un dommage qu'on leur rend. Enfin, en tous les cas, elles étaient là. Absolument. Elles ont été. Et ce n'est qu'après, au début des années 70, qu'elles vont faire entendre leur voix. D'accord. Mais elles le font entendre de manière unitaire. Mais il n'y a pas, par exemple, dans les affiches de l'atelier populaire, il n'y a pas une femme. On était encore et complètement et on l'est encore dans une société machiste. Oui. Je sais qu'il y avait même une espèce de note que j'ai vu passer aussi dans ces archives où quand il y avait des universités occupées, je crois que c'était à Tolbiac, mais j'en suis plus bien sûr, il était dit que les filles en avaient assez, que les révoltés, là, les insurgés les embrassent à tout bout de champ et qu'il fallait que ça s'arrête. Quoi. Exactement. Ça, c'est une des choses qu'il ne faut jamais oublier. C'est qu'en 68, les filles, elles faisaient les sandwichs. Elle faisait le ménage dans les... Alors, ils n'étaient pas si progressistes que ça. Ah non. Non, 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 non. C'est une histoire qui fait peu de place aux femmes. Il n'y en a pas au gouvernement. Il n'y en a pas dans les accords. Hein. Si vous regardez les protocoles d'accord autour de la table, il n'y a pas de femmes. Si vous regardez... Non, c'est vrai, on ne voit pas donc, de figure féminine voilà. importante se détacher. Et donc, c'est pour ça qu'on parle des années 68. C'est à partir de 70 même... 70-71, c'est le MLAC sur les questions de contraception et d'avortement. Et puis, c'est évidemment le MLF ensuite. Donc ça, c'est aussi important. On le voit bien dans les archives. Il y a des femmes militantes, hein, y en a, mais elles ne sont pas mises en avant. Pas de visibilité. Voilà. Alors, une triple question pour donner une conclusion à cette émission. Est-ce que mai 68 a permis à l'État de progresser? Ma deuxième question, est-ce que mai 68 a permis à l'État de progresser dans le maintien de l'ordre plutôt? Et puis, une question de voyance quasiment. Est-ce qu'en dépit de toutes les leçons que l'État a tirées de ce soulèvement, nous ne sommes pas à l'abri d'un nouveau mai 68? Alors, d'abord, un simple détail. Ceux qui ont bénéficié le plus de 68, ce sont les forces de l'ordre. Elles ont obtenu des augmentations Tout à de salaire. Fait, j'ai vu ça. Et CRS en particulier. Et les plus CRS. Plus de jours de congé. Plus de jours de congé. J'ai vu et ça. Et puis, elles obtiennent aussi du matériel nouveau. Quand on regarde les photos de 68, on voit que les CRS étaient derrière des boucliers opaques. Bon, après 68, ce qui n'est pas évident pour pas très pratique pour effectivement, affronter des manifestants. Pour voir les gens en face. Voilà. Et donc, c'est à ce moment-là que les boucliers vont devenir transparents, après 68. Bon, ça c'est
mais c'est ce sont des signes, quand même. Des signes. Absolument. Alors, votre question, finalement, c'est ce que 68 a fait à l'État. Oui. Bon, d'abord, je dirais que ce qu'on voit qu'il a fait à l'État, c'est l'élection de Giscard d'Estaing en 1974. Parce que ce qu'il va faire à l'État, c'est-à-dire ce que fait Giscard d'Estaing, majorité à 18 ans. Et la majorité était à 21 ans. Mmh. Donc il faut imaginer aussi une jeunesse qui était bridée. Ce qu'il a fait à l'État et à l'autorité, 68, c'est d'abord de mettre en question cette autorité, mais même de la possibilité de mettre en question l'autorité, ce qui est pas rien comme différence. Donc ça veut dire que l'État va quand même beaucoup travailler, y compris d'ailleurs sur ses administrations centrales, à l'intérieur, parce que les fonctionnaires sont en grève aussi. Hein. Tout le monde se pose la question, qu'est-ce qu'on est ? C'est comme ça qu'on va avoir aussi des mouvements chez les soldats par la suite, chez tout un ensemble de gens qui incarnent l'autorité. Donc, je dirais que ce que 68 a fait à l'État, c'est qu'il l'a obligé à se rajeunir, il l'a obligé à accélérer énormément des réformes. Donc, alors d'aucuns disent finalement 68 n'a servi à rien. Ça serait de toute façon arrivé. Moi je dirais non, pas du tout. Enfin, 68 est un moment où les revendications sont telles qu'on ne peut plus reculer, on ne peut pas attendre. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a des moments comme ça d'accélération de l'histoire et de l'histoire sociale. Ce que 68 a fait à l'État aussi, et on le voit aujourd'hui, ça rejoint votre dernière question, c'est que 68 a activé à nouveau ce spectre très français de la grève. Et c'est une grève qui est victorieuse. Alors c'est pour ça que la question de la commémoration est si compliquée aujourd'hui. Hein, et c'est alors que c'est un événement historique. Hein, on sait que 36 c'est une immense grève, 47 est une très grande grève. 68 c'est une grève qu'on peut objectiver. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement on est dans cette, on a une culture de la grève en France. Même si les gens ne sont pas, ils la subissent, eh bien, il y a toujours cette ce chose spectre. Importante, ce spectre, et aussi cette croyance et ce droit. Et je crois que c'est ça aussi qui est important, c'est que 68 a été un moment heureux, mais un moment de travail. Et c'est ça que je voudrais dire. Et paradoxalement, alors que c'est un moment de grève. Les gens s'arrêtent de travailler, mais à ce moment-là, se pose la question de savoir qui ils sont, dans quelle situation ils sont, quel est le pouvoir, et on revient à cette notion du pouvoir, le pouvoir du chef d'atelier, le pouvoir du professeur, le pouvoir du père. Tous les rapports hiérarchiques, Et donc, ça recompose totalement la notion même de pouvoir. Et je dirais que c'est ça, peut-être, l'effet 68, c'est une problématisation de la notion même de pouvoir. Écoutez, Philippe Artière, merci beaucoup pour cette analyse qui a mis à bas beaucoup de clichés sur mai 68. On retrouve tout ça développé dans le magnifique ouvrage qui s'appelle 68, Les archives du pouvoir, chronique inédite d'un État face à la crise, qui est donc édité par les éditions de l'Iconoclaste. Et puis, rappelons aussi, puisque nous sommes aux Archives nationales, que ça se double, ça se triple même, d'une exposition dont une partie est sur le site historique des Archives nationales et sur le site contemporain, le site moderne si on veut, qui se trouve à Pierrefitte. Merci beaucoup Philippe Artière de votre venue sur le plateau de l'Essonne en hauteur. C'est ainsi que nous prenons congé donc de nos spectateurs en leur donnant rendez-vous au mois prochain pour un nouveau numéro de l'Essonne en hauteur. L'esprit de cette exposition, en réalité,
ça a été de voir quelles ont été en 68 la mobilisation, les mobilisations des différents services d'État aussi. Non pas seulement le président de la République, le général de Gaulle en 68, ou la police, qui ça sont des angles qui ont déjà beaucoup été vus, mais également tous les services administratifs de la centrale. Donc à la fois présidence de la République, Premier ministre, ministère. On pense évidemment au ministère du Travail avec les grèves qui ont pu avoir lieu en 68. On pense moins à d'autres ministères comme les postes et télécommunications, comme le ministère de la Santé, qui ont été aussi très impactés par les phénomènes sociaux. Et donc l'idée, c'était de montrer vraiment la mobilisation générale des services d'État en 68 pour gérer ce qu'ils considèrent comme une crise, en fait, avec donc une économie paralysée pendant plusieurs semaines, avec des étudiants qu'il faut canaliser, la question des examens à passer, la question du baccalauréat, énormément de sujets dont il faut que l'administration s'empare. Cette exposition est une unique exposition en deux sites. Le site de Paris des Archives Nationales, donc dans sa à l'hôtel de Soubise, et le nouveau site des Archives Nationales ouvert en 2012, le site de Pierrefitte-sur-Seine. Il ne s'agit pas d'une déclinaison de l'exposition parisienne, ce sont vraiment deux volets différents. À Paris, se déploie de manière chronologique la réponse de l'État au mouvement social de 68. Et à Pierrefitte, en complément, se déploient les voies de la contestation saisies par l'État, notamment à partir du matériel qui a été saisi par la Cour de sûreté de l'État, ou par les forces de l'ordre, ou encore le matériel collecté par des professionnels du patrimoine militant, archivistes, bibliothécaires, des chercheurs ou des militants eux-mêmes. Du coup, une exposition plutôt militante à Pierrefitte et vraiment de pouvoir et de déploiement de pouvoir à Paris. À Paris également ont été déployés tout un système complémentaire avec un rappel du contexte international dans la cour de Soubise, avec des grandes affiches qui sont des reproductions de documents conservés aux Archives nationales, qui viennent rappeler le contexte international dans lequel s'inscrivent les militants de 68, marqué évidemment par la guerre du Vietnam, marqué, on l'oublie, par la guerre des séjours au Proche-Orient, qui date de 1967, et marqué par d'autres événements, comme par exemple l'intervention française au Tchad en 68 également. Tous ces différents dispositifs participent à nouveau de la même exposition et non pas de plusieurs propos différents. Le livre et l'exposition sont à nouveau complémentaires. On ne trouve pas exactement les mêmes documents dans l'exposition et dans le livre, même s'il y a des recoupements, pour la bonne et simple raison qu'une exposition, c'est une sélection drastique de documents. Sur les deux sites, on doit être à peu près à 700 documents exposés. Mais un livre, nécessairement, surtout si on veut avoir des documents en pleine page avec un respect de la matérialité des archives, c'est une sélection encore plus drastique. Surtout qu'il faut l'accompagner par des textes d'historiens, de chercheurs, etc. Donc, il a fallu également faire pour le livre une synthèse des deux volets de l'exposition. Et donc, c'est un livre qui est organisé de manière chronologique, et à l'intérieur de cette chronologie, qui est organisé par gestes de l'État vis-à-vis du mouvement. C'est un livre complément qui a été construit avec 20 auteurs différents. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine polyphonie de voix qui est moindre dans l'exposition, parce que l'exposition donc, a été pensée par un commissariat scientifique, certes à deux têtes, mais un commissariat scientifique qui reste univoque. Donc vraiment, le livre aura une vie propre. D'ailleurs, vous l'avez vu, la couverture et l'affiche du livre ne sont pas les mêmes, ce qui symbolise bien aussi qu'il aura une vie différenciée de l'exposition. Mais je vous invite, même si vous avez lu le livre, à aller voir l'exposition qui peut donner d'autres éléments et d'autres contrepoints à nouveau.